démarrer directement en garde et on va juste faire des petits sautillements avant-arrière. Une fois on se met en garde, jambe gauche ou jambe droite devant, ça dépend de si vous êtes droitier ou gaucher. Et là je fais juste avant-arrière, avant-arrière. En étant bien léger sur les appuis, on déroule bien sur les appuis, on reste sur l'avant du pied. Et je fais avant-arrière avec toujours la même jambe devant. Alors on change de jambe, on met l'autre jambe devant et on fait pareil, avant-arrière, avant-arrière. On essaie d'être bien souple sur les appuis. Là on met les deux pieds sur la même ligne. Et on va d'un côté et de l'autre. On descend là, ouais. En essayant de garder les deux pieds sur la même ligne. Là sur place, on sautille normalement. On vient en talon-fesse. Et là, je sautille de nouveau en garde. Je reste juste en garde sans faire avant-arrière. On reste juste en garde. Et là, ce qu'on va faire, on repart sur du avant-arrière. Mais à chaque fois que je vais avancer, je vais taper direct bras avant. Je recule, je reviens en avant, j'envoie le direct. À chaque fois que j'avance, direct. Quand je recule, je reviens en garde. Direct, je reviens en garde. Direct, je reviens en garde. C'est parti. À chaque fois, direct bras avant. Hop. À chaque fois, j'avance. Je reviens en garde, j'avance, je reviens en garde. Hein. Hop, hop. Et là, on va faire pareil avec le bras arrière. Donc, j'arme le bras avant en haut. Dès que j'avance, bras arrière, je reviens. J'avance, bras arrière, je reviens. C'est parti. Hop. On essaie d'être bien sur les appuis, les deux pieds collés au sol. Hop, j'avance et je frappe. J'avance, je frappe. Hop, direct arrière, le coude bien serré le long du corps. On n'écarte pas le coude. Et je viens chercher bien vers l'avant. Hop, à chaque fois que j'avance, je viens frapper. J'avance. Je frappe, hop, j'avance, je frappe. Je sautille et seulement quand j'avance. Et on garde bien. On garde bien le bras collé. Le bras opposé collé. Le coude aussi proche du corps. On n'écarte pas quand on vient frapper. Hop. Je protège mes côtes. J'avance, je frappe, j'avance, je frappe et je reviens. Hop, hop. Allez, nickel, on se tire. Voilà, je viens les bras. Alors, on va commencer à chauffer les adducteurs. On garde les épaules de face, les hanches de face, et là je ramène le genou
sur le côté. Je ramène le genou sur le côté, le reste de mon corps reste droit. Vous avez vu, ma jambe ne suit pas, elle ne vient pas vers l'extérieur. Elle reste droite. C'est le genou qui vient, un côté, l'autre côté. On démarre maintenant, c'est parti. Je bloque d'un côté, je bloque de l'autre. Entre-temps, je fais des petits sauts. Je bloque, 1, 2, 3, je bloque, 1, 2, 3, je bloque. Hop, en gardant les bras en haut, un côté, l'autre côté. Hop, hop. On essaie de ramener les genoux vers l'épaule et sans pencher le buste. Je ne penche pas le buste, j'arrive le buste bien droit et je bloque. Je garde le buste bien droit et je bloque. Hop, un côté, l'autre côté. Hop. Et les bras en haut en protection. Hop. Hop. Je bloque. Je bloque. Et un côté, l'autre côté. Un, deux. Un et deux. Un et deux. Et je bloque. Je bloque. Je bloque. Et encore. On essaye de lever à chaque fois un peu plus haut pour bien chauffer les adducteurs. On chauffe bien les jambes. On se force à lever. Hop, je vais bloquer. Je vais bloquer encore 10 secondes. Je bloque d'un côté. Je bloque l'autre côté. Je bloque. Je bloque. 1 et 2, 1 et 2, je bloque, 1 et 2, super. On sautille, on relâche. Là, on va venir dans une autre trajectoire, on va aller vers l'avant avec le type jambe avant. Je ramène le genou vers moi, le buste bien droit, le pied à plat au sol, pas sur la pointe de pied, le pied à plat, je tends, je pousse, je tends, je pousse. C'est parti, on fait ça 30 secondes. Hop, je pousse, je reviens. Je pousse, je reviens. Hop, toujours la jambe avant. Hop, on essaie d'aller chercher loin devant. Je pousse, je reviens. Je pousse et je reviens en garde. Un, et je reviens en garde. Deux, hop, hop, je pousse. On continue. Hop, 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 encore. Allez, on pousse. On garde le buste bien droit. Allez, encore 3, allez, 1, je pousse, 2, encore 1, et 3, super. On sautille, on ne s'arrête pas d'un coup. Là, on relâche. On va faire des sauts sur un pied. On va faire 30 sauts d'un côté, 30 sauts de l'autre. C'est parti, allez. 2, 10, 20, et 3, allez, on change de pied. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et 30. Super. Là, on récupère, 1 minute 15. Prenez le temps de bien récupérer, de vous hydrater. On va partir sur le premier cycle de Tabata. Je vous donnerai l'exercice à faire à chaque fois. Donc, 20 secondes d'un exercice, 10 secondes de pause. Là, on va essayer de mettre le maximum d'intensité à chaque fois sur les 20 secondes d'exercice. On va faire 3 rounds. Donc, à vous de gérer bien l'effort. C'est 4 minutes à chaque fois, 3 fois 4 minutes. Donc là, récupérez bien pour l'instant. Il vous reste 45 secondes avant de démarrer. Secondes. On va commencer le premier. Le premier, on va faire des levées de genoux. On sautille sur place comme de la course. On va faire lever le genou. Les premières 20 secondes. Et encore 10 secondes. On se met en place. 5 secondes, on va lâcher bien les jambes, là on va venir lever sur place pendant 20 secondes, c'est parti.
D'accord, essayez de bien respirer en même temps. On gère la respiration en même temps que son effort. Cinq secondes. Et top. On sautille, on récupère 10 secondes. Le prochain, on vient. On fait des directs, 20 secondes le plus vite possible. Et top, c'est parti. Et top, on sautille. Là, on vient faire des squats. 20 secondes de squat. Relâche bien. C'est parti. Yep. C'est parti. Allez, encore 10 secondes. On garde le rythme. Et top, on sautille, on a la moitié. Donc là, on fait des genoux. On pique les genoux, un genou après l'autre, vers l'avant. Série de genoux, c'est parti. Hop, je pique, je sors bien la hanche devant. 20 secondes. Allez, encore 10 secondes. Prêt, top, on sautille. On va partir du direct après. On relâche bien les épaules en attendant. C'est parti, 20 secondes. Allez, allez, encore, 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 encore. Et top. Allez, on sautille. Là, on vient faire du squat sauté. Squat sauté, c'est parti. Hop, on décolle les pieds. Cinq secondes. Encore un. On sautille, on repart sur les directs. Ce sera le dernier. C'est parti, 20 secondes. Allez, 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 on lâche pas. Chut, chut. 5 secondes. Et stop, super, je récupère. Là, 40 secondes, on relâche bien. On essaye de bien récupérer au maximum. On relâche bien les corps, les bras. J'espère que ça va, que ça suit. Soufflez bien, 15 secondes. Toujours pareil, 20 secondes de travail, 10 secondes de pause. 5 secondes encore. Et là, c'est parti, on lève les genoux. Cinq secondes. Et top, on sautille. Là, on fait un jumping jack. Là, c'est bon. C'est parti.
Et top. Là, on revient enlever le genou. On se remet en place. C'est parti, on lève les genoux. Hop. Et hop, on sautille, on repart en jumping jack dans 5 secondes. C'est parti. Top, on sautille. Là, on va repartir en direct. C'est parti. Allez, 10 secondes. Là, le dernier, on repart en levée de genou. 2, 1, c'est parti, allez, 20 secondes. Allez, stop. Alors, ceci, je me suis trompé, il y a encore une minute. On repart en jumping jack. Faut se voir. C'est parti. Allez, top, on récupère. Encore un. Le dernier, on fait squat sauté. C'est parti, 20 secondes. Voilà, on pousse bien sur les jambes. Cinq secondes. Encore un. Nickel, on récupère 40 secondes. On s'hydrate, on récupère bien encore un round. Encore 20 secondes. On commence à bien respirer. On va démarrer sur du jumping jack dans 10 secondes. 5 secondes. C'est parti. Et top, on récupère 10 secondes. Là, on part en direct. C'est parti. Et super, on sautille, on récupère. Là, on fait lever de genoux. C'est parti, 20 secondes. Allez.
Et top. Et ensuite, le prochain fait une série de pompes. 3 secondes, on se met en place. C'est parti, 20 secondes de pompe. Encore une. Et là, on se remet le bon souci. Après ça, jumping jack. On respire bien. On relâche bien le corps. C'est parti, 20 secondes. Et top. On sortit, on repart sur du lever de genou après. C'est parti. Allez, 10 secondes. On relâche pas. On continue encore, 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 encore. 2 secondes. Encore là, et on se tire. On repart en jumping jack. C'est parti. Allez, bien dynamique. Allez, on continue 2 secondes encore. Hein. Et 2. Et un sauté. Squat sauté, le dernier. 2 secondes. 1, 2. C'est parti. Allez. On n'abandonne pas. On a le maximum. 10 secondes. 5 secondes. Et super, on récupère. On récupère 1 minute 30. Soufflez bien, récupérez bien. C'était bien intense, 12 minutes. Ça va être 13 minutes en total avec les 1 minute de pause qu'on a eu. 13 minutes plus le shadow d'avant pour chauffer. Et là, on va finir sur du gainage, du coup, dans 1 minute maintenant. Récupérez bien, soufflez bien. Premier, ce qu'on va faire, on va commencer à l'envers. On ne le fait pas trop souvent celui-ci. Pour les lombaires, on vient en appuyant sur les coudes, je ne sais pas si on voit bien. Les jambes tendues, je viens décoller mes fesses le plus haut possible. Là, c'est pour travailler les lombaires. On se met en place. On fait ça 20 secondes. 1, 2, 3, c'est parti. On décolle les fesses le plus haut possible. Là, du coup, ça doit tirer l'arrière des cuisses, les ischios jambiers et les lombaires. Et un peu sur les épaules aussi. Allez, encore 5 secondes. Et on relâche. Et là, on vient de faire de l'autre côté maintenant. En planche classique, là cette fois-ci on fait 30 secondes. On démarre dans 2 secondes, 1 et 2, et c'est parti, 30 secondes. Le dos bien droit, les abdos rentrés, on colle le nombril à la colonne vertébrale. Et là on se concentre sur la respiration. Là, on tire bien sur les talons. 10 secondes. Et top, on relâche. Là, on vient pour les obliques. 20 secondes d'un côté, 20 secondes de l'autre. On démarre dans 10 secondes. Profitez-en pour bien souffler entre temps. 5 secondes. 1, 2,
3, on décolle les fesses, on décolle la main opposée. Là, on doit sentir les obliques. 20 secondes d'un côté, 20 secondes de l'autre. Hop, on relâche. On bascule de l'autre côté. C'est parti. Pareil, 20 secondes. Et on relâche. On revient de face. 30 secondes de nouveau. On démarre dans 5 secondes. 3, 2, 1. C'est parti. Allez, les abdos rentrés. Et on bloque 30 secondes. On colle le nombril à la colonne vertébrale. Super important pour engager les abdos. Et là, pour les deux derniers, on revient sur les côtés, mais cette fois-ci en dynamique, 15 secondes. On démarre dans 10 secondes. Donc, ce qu'on fait, on monte, on descend les fesses. C'est les deux derniers. 3, 2, 1, c'est parti. Je descends, je remonte, je descends, je remonte. J'essaie d'aller bien haut, bien solliciter les obliques. 5 secondes encore. Et top. On passe 10 secondes. Le temps de passer de l'autre côté. 2 secondes. C'est parti. On descend les fesses, on les remonte. On descend les fesses, on les remonte. Cinq secondes. Et top. Et nickel. C'est bon pour notre séance du jour.